Bonjour, je m'appelle Ibrahima Cissé. Je suis né à Kaguit, au sud du Sénégal. Je suis né d'un père instituteur, directeur d'école, et d'une mère femme au foyer. Je suis issu d'une famille de 9 personnes et je suis le deuxième de la lignée. Et comment je suis arrivé au Chili, mais c'est en fait c'est pas si original que ça. Je suis arrivé au Chili comme la plupart des humains finalement, parce que j'ai rencontré une Chilienne. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est original, c'est un Sénégalais rencontrer une Chilienne dans l'est du Congo. Ça, c'est original, voilà. Et en tout cas, quand j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui, j'ai tout quitté, et la France et l'humanitaire pour venir m'installer au Chili et continuer à écrire depuis ici. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles langues, j'aime beaucoup entendre même, écouter de nouvelles langues, vivre dans des environnements qui proposent une nouvelle langue parce que, comme dirait l'autre, une nouvelle langue est une. Chaque langue est une culture, quoi. Apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Et voilà. Et l'Amérique du Sud, j'ai vécu en Guyane une année, un peu plus tôt, des années plus tôt. Mais l'Amérique latine espagnole est vraiment une terre très, très fascinante. Elle me rappelle beaucoup, beaucoup l'Afrique. Elle me rappelle et l'Afrique d'ailleurs, et l'Europe aussi, hein, l'Occident, parce que c'est assez occidentalisé. Mais voilà, il y a beaucoup de valeurs qui me rappellent mon pays, l'Afrique, les couleurs, le bruit et tout ça. C'est vraiment fantastique. J'aime beaucoup la vie au Chili de manière générale. Je vis essentiellement à Viña del Mar, ici à Viña. Et après, il s'est passé 2, 3 ans de Covid, donc j'ai pas beaucoup profité. Mais en famille, on a visité pas mal de villes, le nord, le sud, le centre, l'est, l'ouest, la montagne, la mer, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et chaque fois que je visite une nouvelle région, je découvre des paysages à couper le souffle, quoi. Le Chili est vraiment beau du nord au sud, d'est en ouest. Et je connais essentiellement Viña et Valparaíso. Voilà, Valparaíso, une ville fantastique, une ville colorée, une ville que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son côté bohème. J'aime beaucoup me balader dans Valparaíso pour prendre des photos. Me balader dans Valparaíso pour m'inspirer, tout simplement. Voilà, mais j'aime beaucoup la tranquillité de Viña. À pied, c'est quelques minutes de marche. Je préfère quand même la tranquillité de Viña parce que l'écriture demande, c'est pas pour les autres, mais moi l'écriture demande beaucoup de tranquillité. Bon, en plus de mes romans, j'écris des fables. J'en ai écrit une dizaine. Les fables, j'ai eu l'inspiration des fables suite à la révolution sociale qui s'est passée ici au Chili il y a bientôt 3 ans. Et voilà, parce que j'ai été assez choqué par certaines réactions de plusieurs parties. Et ça m'a inspiré ces fables-là. Et puis, est arrivé juste après la révolution sociale. Arrive le Covid et là on était enfermés, je ne pouvais pas beaucoup écrire. Et on avait un bébé, on a un bébé qui venait de naître. Et j'ai commencé à apprendre les illustrations, le dessin. Et dans le projet d'illustrer un jour mes fables. Bon, on n'en est pas là encore, mais j'aime bien ce que je fais et j'essaie d'améliorer mes dessins de jour en jour. Jusqu'au jour où j'arriverai à pouvoir à la fois écrire mes histoires et les illustrer par moi-même.
Donc, je vous présente Djatha, qui est mon premier livre. Djatha est un livre qui résume finalement ma vie, même si ce n'est pas autobiographique, mais il se veut être un livre qui parlerait bien d'un immigré colombien qui arrive à New York ou un immigré mongol qui arriverait à San Francisco. Voilà. Et c'est des aventures de vie, tout comme j'aime. Djatha commence au Sénégal, il commence même en Casamance, il va vivre les conflits armés, il va faire des études, mais beaucoup mieux que moi, il va même devenir médecin. Mais voilà, après, à travers Djatha, on comprend un peu plus les rouages de la société sénégalaise. Djatha se veut être très critique de la société sénégalaise, en général, africaine en particulier. Mais Djatha, c'est aussi quelqu'un qui chérit cette Afrique, qui l'aime beaucoup, qui le passionne, qui garde des valeurs vraiment incroyables. En même temps, qui génère, en même temps, qui produit beaucoup de conflits. Il est étonné, il ne comprend pas. L'éducation est vraiment et au point, mais les gens ne s'entendent pas. Et Djatha se pose pas mal de questions, justement, dans ce sens-là, parce qu'il est né dans un endroit, il est du même pays, en l'occurrence le Sénégal, et un beau jour, il devient étranger, il ne comprend pas, il se pose des questions. Comment peut-on être étranger chez soi? Et si on est étranger chez soi, ben, où est-ce qu'on ne le sera pas, quoi? Voilà, donc ça c'est Djatha. Et puis il y a mon deuxième livre en espagnol, traduit en espagnol, ça sera Un pigmeon en Paris. Mais la version originale c'est celle-là, c'est Du rêve au destin. Du rêve au destin, c'est l'histoire de Claude, lui aussi immigré congolais, qui arrive à Paris et voilà, qui avait des rêves de devenir musicien, qui aime le jazz. Qui voulait reproduire le même parcours que la légende de Manu Dibango. Mais comme on le sait maintenant, entre ce qu'on rêve et ce que la vie nous réserve, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, Djatha, c'est mon deuxième roman. C'était à la base, Djatha, c'était une commande. On m'avait demandé de participer à un jeu, à un concours de nouvelles. Je n'étais pas très chaud. L'idée de compétition m'a dérangé un peu. Mais puisque j'étais dans l'apprentissage, j'ai accepté. Et on m'avait demandé 3 000 mots et je n'avais pas compris. Moi, j'ai écrit 30 000 mots. Entre 3 000 et 30 000, il y a une grande différence. On m'a demandé de le couper. Je n'ai pas pu et j'en ai fait un peu plus pour en faire un petit roman. Voilà. Et il y a un autre roman entre les deux qui parle de l'humanitaire, Les carillons du narcosistan, qui retrace une carrière. Chaoteuse d'un humanitaire qui va décéder en Afghanistan, mais je ne l'ai pas ici en copie malheureusement. Mais voilà, encore une fois, c'est un roman d'aventure qui raconte plusieurs vies.